personne que je prends l'appareil photo. Et ça va amorcer. Et ouais, les amis, le blog vient de sortir. Il faut déjà faire la deuxième partie. Donc, c'est maintenant. Alors, comment prépare-t-on un bon blanc? Non, un bon violet. On prend du blanc. On essaie de le mettre sur sa palette où on voit. Après, on prend un pinceau propre, si possible. On prend un peu de violet et on mélange. La voix a changé. Ah ouais, c'est vrai. Et on applique. Regardez cette texture. Elle est vraiment bien. Dans la création, il y a des moments cruciaux, comme celui que vous allez vivre dans quelques secondes. Est-ce que je vais rater ? Je sais pas si j'ai raté encore. Peindre, c'est aussi accepter de rater, recommencer, recommencer, encore recommencer, et peut-être réussir. Mais toujours en utilisant un sèche-cheveux. Parole de peintre. On va rejoindre Jean. Il est dans le secteur. Je sais pas exactement où, mais c'est pas mal. C'est champé. Ah, le constructeur de l'extrême. Voilà, on est là. On est ça là, va on construit le fond. En œuvre, maintenant qu'en œuvre, il y a de la peinture, il y a de la sculpture. Et c'est pas ou une sculpture ou de la peinture. Vas-y, mon. Les archives, frérot. Tu vois là, pareil. C'est moi qui vais te filmer. Je vais béton. Bah non. Oh putain. Vas-y, vas-y. C'est pas toi qui fais du sport là. Ouais, c'est des toits là-dedans. Du coup, là, on le voit pas très bien, tu vois. Mais donc, il a fait d'abord les cadres. Après, il a coulé en béton. Et si tu veux, c'est peint à la bombe hein, de manière, tu vois, précise, tu vois. Donc, il donne ah, des hein. formes de couleurs selon les volumes qu'il a mis dans sa toile, tu vois. Donc, c'est de la peinture, c'est de la sculpture, c'est de la construction. Parce que voilà, c'est du béton, tu vois. C'est complètement ouf, tu vois. C'est vrai que ça rend hyper bien. Quoi. Vous vous demandez peut-être à quoi sert cet outil? Réponse. Tu vois, là il reste encore de la matière. Tu vois. Ah ouais, là ça va. Okay. C'est un truc plus raglissi. Ah ouais, ok, d'accord. Après le tour de Jean, c'est moi qui ai testé. J'ai rien fait de fou, mais c'était une expérience qui donne des idées, comme d'hab. Toujours chercher de nouvelles frontières à dépasser. Même presque de la sculpture, quoi. Ouais, ça c'est du comilhomme. Ah le bâtard. Putain, c'est trop stylé. Le tapis était meilleur. Bonjour, bienvenue au Gen Film Festival. Cette fille, c'est Noémie et c'est mon amie. On est allé voir Anne et Vin, le nouveau film d'Elisabeth Vogler, dans lequel Noémie joue, mais aussi Joris, Vlad, Elsa, Zoé, que des bêtes de gens. Franchement, ça fait plaisir. Je vous mets la bande-annonce et après, on enchaîne. La période que tu vis en ce moment, c'est un bouleversement pour toi. Excuse-moi, c'est pas toi, Julie ? Toi, tu regardes jamais de porno ? Si. Tu étais à 3 mètres. Lueur qui se prélasse. Mais toi, tu veux parler art ? Mais vas-y, dis-moi, dans la vraie vie des gens, il y a quoi d'autre ? Tu veux pas parler ? Non. Ma vie, c'est une cascade, mon frère. Ma vie, c'est une cascade. Même seul chez moi, je mets le masque. Je préfère. Moi, j'avoue que je jouis quand je suis toute seule. Quand je me sens hyper en sécurité, tu me touches ? 50 étés, mec. Il me reste 50 étés. Le Edouard que t'as connu, c'est terminé. Voilà. Oh, putain, je savais un gars là. J'ai fait des trucs sauvages ! T'as raison, ok, on a qu'une vie. Allez, c'est parti, opération tonnerre.
Non, tu m'écoutes pas là. Il y a trop de questions là, juste faut avancer. Et là, c'est l'air le plus pur de Paname, gros. Tu sais que un siècle commence vraiment à partir des années 20. Je te parle du noir, le plus noir. Oh, on est même associé à la maladie. Qu'est-ce que je te dis, toi? Tu crois que c'est quoi? Je prends le plaisir de faire un jogging, gros. Mais je sais pas, frère, tu m'as eu tout à l'heure là. Et là, ça va commencer maintenant. Eh, hey, vous êtes la fille dans le film? J'ai toujours aimé avoir un ticket dans la bouche, parce que ça me conforte dans l'idée de maîtrise. Ouais, franchement, hey, on a dû dévisser l'antenne. Sérieux? On a dévissé l'antenne. Je ferai le poteau, merde. Oh non! Non, non, il a confondu vitesse et précipitation. Je vais être peint par la grande Noémie Schmidt qui m'a pris en photo. Et on va voir le résultat dans quelques heures. Est-ce que vous êtes prêts? YouTube, vous êtes chaud? Mettez des pouces bleus, des likes, abonnez-vous, merci. Et pendant ce temps, un petit atelier avec Robin. Oui, le pilote de la veille. Là, il faudrait que tu fermes ta forme ici et après tu remplis en ligne comme ça tranquillement. Tu vois, t'as un. Ok, et puis tu fais. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois, tu sens la. Stylé. Pour l'instant, ma tête, elle ressemble à. Je suis obligé d'être fidèle à la réalité. Oh! Allons inspecter Robin. Le petit papillon a pris son envol. Ouais. On va doubler un peu les traits jaunes parce que j'ai réalisé l'effet de la densité de la fibre. C'est pas mal. J'aime bien les couleurs. Très bien, très bon choix. La balle de basket, ça va, on sent qu'elle est molle. Ah ouais. Elle est texturée. C'est vrai ça. Ouais. Après, je suis assez contente de mon bonsaï. Bah là, je trouve que le t-shirt, il apparaît pas assez, tu vois. Ah. Pas ton t-shirt. Le t-shirt. Mais ça va. Non, franchement, c'est ouf. Putain, tu devrais tellement peindre plus. Alors, Noémie, quelques questions sur la peinture, du coup. Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? De l'amour. Pour la matière, la couleur, la forme. Pour le pinceau. C'est beau d'avoir un outil. Par exemple, j'ai beaucoup aimé faire le parquet parce que je me suis dit, bon, le parquet, tu vois, faudrait. Parce que le caillou-bot et tout ça, tu vois. D'accord. Faut faire ça bien. Et là, j'ai juste pris du orange et j'ai fait chouk. Il n'y a pas besoin de plus, je trouve. La journée se termine. Un nouveau portrait de moi dans ma collection. Merci Noémie. Et Robin repart avec un tapis et trouve déjà ses fans. Là, c'est ouf. Ouais. C'est hyper tu l'as bien pris en la... premier. Ah ouais, non, c'est dingue. Bien, hein. Ça, mon petit. Et ah, du coup, après, tu pouvais faire des longueurs de ouf et tout, non? Ouais. Et c'est parti pour deux jours de travaux. Ouverture le 18-11-21. Ça filme ou pas, là? Ouais. Ouais, je t'ai mis l'homme, bien ou quoi? Ouais, ça va. Bien ou quoi? T'es dans le journal chaud? Qu'est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais dans la vie? Moi, j'aide des gens. Et j'ai de gens de. Du coup, c'est un double mise en avis. Ça passe. Voilà, là, bah, je t'ai ton appareil photo quoi, pour le journal chaud. Quoi. On rentre dans l'antre des JJ, le jardinier. C'est pour ça que vous regardez ce vlog d'ailleurs. Dernière. L'expo. Dernière arrive. Planche. Et voilà, on vient de porter 40 placos, les frères. Attention. Roses. Tu veux ça?
Et voilà, il est temps de finir cette journée et de revenir demain. Bonne journée de chantier commence toujours avec du soleil. Tant que ça va te prendre, tu mets un coup de brosse, un coup d'aspi vite fait. Et puis là, on remet un petit bout qui est ponté, tu vois. Je crois que ce sera assez pour tout. Vient le temps de la pluie. Pendant que de la musique de jeunes s'écoule dans la pièce, le toit se termine. Le toit. Bruxelles, ma belle, le soleil revient 5 minutes avant la pluie, encore la pluie. Et en bonus aujourd'hui, vous avez toujours rêvé de voir à quoi ressemble l'Union Européenne, celle que vous voyez dans les livres. Regardez, c'est là. Avec ce genre d'interview. En live. Voilà. Allez, à demain. PS, forcément, il pleut. On est en route pour le Constantitut Mili in Rotterdam. Demain, c'est Garin qui va donner une conférence en anglais sur Demodernizing Visual Culture Through Typography and Type Design. Donc, vous en saurez plus la semaine prochaine. Porte-bonheur. Pour qui? Pour nous. L'architecture est dingue ici. C'est ouf. Bird up. Un petit triste de conférence, si jamais on est derrière celui qui parle, faut juste aller sur le live et on a le contre-champ. À bientôt!